Yo yo yo! Salut les turfeurs! Salut les turfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 12 900 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 6 avril. Direction Vincennes pour le prix du Tréport. 3 attelés, 2700 mètres et 16 partants. On commence donc avec le numéro 1, Valokaja Indo. Il restera ferré pour cette semi-rentrée. Ce cheval, il est entraîné par Jean-Michel Bazir. Ouais, il en a 4 dans ce quintet. Mais le patron nous dit qu'il n'a aucune chance de faire l'arrivée cette fois-ci, ce cheval. Bon. Par contre, il faut le suivre absolument pour les prochaines courses. Le numéro 2, Cicero Noa. Il va retrouver Pierre Vercruz, qui le connaît bien. Certes, il monte ici de catégorie, mais c'est un cheval tellement régulier et en constant progrès. Pour les places, il a une très belle chance. Le numéro 3, Détroit Castellet. Il a encore eu des ennuis de santé. Il va lui falloir plusieurs parcours dans les jambes pour revenir à son top niveau. Jean-Luc Dersoir, son entraîneur, nous dit qu'on peut la rayer. Alors moi je vais lui faire confiance et je la laisse de côté. Le numéro 4, Looking Superbe, entraîné et piloté samedi par Jean-Michel Bazir. Il a choisi de se mettre au sulky de son meilleur cheval. Car je le répète, dans cette course, Bazir a 4 chevaux qui courent. Il peut tous les battre, énorme oui. Le numéro 5, Tell Me No Lies. C'est une rentrée depuis une longue absence. Il pourrait avoir besoin de courir avant d'atteindre son meilleur niveau. Ce serait une surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 6, Quentin de l'Éclair. Quatrième pour sa dernière course. Il lui faudra un bon parcours pour accrocher une petite place. Surprise possible. Le numéro 7, Tessie d'été. Ses 5 dernières courses, 100% à l'arrivée. Elle sera pilotée par Franck Nivard. Obligé d'y croire. Le numéro 8, Apollon de Cassis. C'est un retour à la compétition. En effet, elle n'a pas été revue depuis le 30 septembre 2018. Son jockey ne va pas trop forcer hein, pour la laisser revenir à son rythme. Donc, gros outsider. Le numéro 9, Cliff du Pomereux. En ce moment, il est en forme. Il a un bon moral. En effet, il fait la monte. Bon, pas besoin de vous les expliquer. Il vient de... Enfin, si vous savez pas, vous regardez... Enfin, bref. Il vient de terminer 3ème. Attention, belle cote possible à l'arrivée. Le numéro 10, Coach Franbleu. Lui aussi cette année, il fait vraiment plaisir. Il va retrouver Looking Superbe, qu'il a largement fumé la dernière fois, mais pour les places, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 11, Annette du Mirel. C'est sa 2ème course de rentrée. Écarté des pistes à cause d'une opération d'un métacarpien. Exactement, voilà. Elle a l'air encore loin de son top niveau, outsider. Le numéro 12, Abydos du Vivier. Ce super cheval entraîné par Jean-Michel Bazir est très régulier. Récent deuxième d'un groupe 2, le 2 mars d'ailleurs. Il sera pieds nus cette fois-ci, sa place est dans le quintet. Le numéro 13, Barrio Jocelyn. Et encore un représentant de Jean-Michel Bazir et le dernier dans ce quintet. Il n'est vraiment pas régulier celui-là. Par contre, Bazir, il l'a bien affûté. Pardon. Il l'a bien affûté. Voilà, donc il pourrait accrocher une 5ème place. Méfiance. Le numéro 14, Caduceus des Beaux. C'est une rentrée et il garde ses chaussures. Sa discipline, lui, c'est plus le trop monté. Je passe. Le numéro 15, Sharon Gare. Elle préfère les courtes distances. Mais c'est un bon engagement et sur sa forme, elle peut créer la surprise, petite méfiance. Le numéro 16, Bolide Génilou. Pour lui aussi, c'est un bon engagement. Par contre, il a absolument besoin d'un parcours caché. Du coup, si c'est le cas ce samedi, il pourrait éventuellement accrocher une place. Le pronostic, ça donne 4, 12, 7, 10, 9, 2, 6, 13, cheval de complément le 16, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi! Ciao!